Hé, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ça va être pour demain ou après-demain, patron. Faudrait trouver un garage où je pourrais emprunter des pinces. Il y a une usine qui semble ouverte là-bas. Il devrait y avoir des pinces, normalement. T'as vu? Toute l'usine est contrôlée par des robots. On pourrait peut-être trouver des trucs intéressants à ramasser à part des pinces. Au moins, on est sûr que les robots ne nous sauteront pas dessus. J'en ai déjà vu des robots, mais jamais aussi monstrueux que celui-là. Ça vient de l'usine des robots. Il y a quelque chose d'anormal. Allons voir ce que c'est. Oh! Tout est dévasté. C'est incroyable. Là-bas. Expliquez-nous vite ce qui est arrivé. Frankenstein. Frankenstein? J'ai entendu parler de ce robot, mais je croyais qu'il n'était pas terminé. Oui, il n'en était encore qu'au stade expérimental. J'ai l'impression que les dégâts ne font que commencer s'il échappe à tout contrôle. Je vais essayer de le retrouver, professeur. Sois prudent! Il faudrait retrouver Frankenstein au plus tôt. On pourrait peut-être l'amener à travailler pour nous. À condition qu'il accepte de nous obéir, patron. Est-ce que ça t'arrive de réfléchir un petit peu? Ce robot est comme un nouveau-né. Et qu'est-ce qu'ils font, les nouveaux-nés, hein? Ils écoutent ce que dit la première personne qu'ils rencontrent. Frankenstein, écoute-moi, je suis Sirius, ton maître. C'est à moi que tu devras obéir. T'as entendu? Je serai le seul à te commander. Je suis un génie. Thank you.
Il ne faut pas perdre son diadème de l'œil, compris? C'est pour ça que vous m'avez engagé. Il l'a assommé et il lui a volé son diadème. C'est curieux. Qu'est-ce qu'un robot peut faire de diamant? Là n'est pas la question. Nous savons que c'est un robot qui a commis ce méfait. Je savais bien qu'on finirait par avoir des ennuis avec ces robots de malheur. C'est pour ça que je me suis toujours opposé à leur prolifération. Ne tirez pas de conclusion trop hâtive, inspecteur. Rien ne... Personne ne m'empêchera de conclure qu'il faut agir vite. Robot ou pas. Bijouterie, banque, tout y passe. Quels seront les prochains méfaits de Frankenstein? Pour l'instant, la police ne peut que constater les dégâts, mais il est question d'un décret limitant la fabrication des robots. Certains citoyens ont déjà rendu leurs robots inopérants. Gardez votre calme, mais soyez sur vos gardes, cependant. Certains robots sont dangereux. Enfin, inspecteur Labrosse, vous ne trouvez pas que c'est exagéré de débrancher tous les robots? Mesure préventive pour éviter que d'autres robots ne deviennent nuisibles. Pourquoi pénaliser d'honnêtes, d'innocents robots? Surtout que rien ne prouve que Frankenstein est coupable. Tu parleras quand on te le demandera, toi. Astro a raison. On sent une main humaine derrière les méfaits que Frankenstein commet. Vous le croyez manipulé par un être humain? Je persiste à dire qu'aucun robot ne serait attiré par des richesses à un tel point. Et n'oublions pas que la structure de Frankenstein est complète. Il faudrait vérifier s'il y a un court-circuit... Attendez de l'avoir attrapé avant ça. Non, non, non et non. Je vais prendre cette affaire en main, personnellement. Pourquoi vous en prendre à nous? Nous avons toujours été des employés exemplaires. Ma clientèle a fui le restaurant depuis ces histoires. Je reconnais que je n'ai pas à me plaindre de votre collaboration, mais j'ai reçu des ordres de l'état-major. Tous les pompiers robots doivent être consignés dans leur quartier. Exécution. À partir de maintenant, vous ne faites plus partie du personnel. Sachez que je vous regretterai. Aouf! Tous les robots ont été rendus inopérants. On ne pouvait pas demander mieux, hein? C'est vrai, ça. Les gens sont vraiment gentils avec nous. Grâce à notre ami Frankenstein. On ne va bientôt plus savoir où mettre notre fortune. Ne fais pas cette tête-là. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est? Oh, je sens la présence de Frankenstein à proximité. Je branche ma super oreille pour entendre mieux. Oui, c'est bien Frankenstein. La sculpture que vous avez commandée, monsieur Van der Brock. Je vous attends depuis 3 jours. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais il n'y a plus de robot chauffeur. On est surchargé. Le musée du Louvre m'a prêté ce chef-d'œuvre en échange de ma collection d'impressionnistes. Je ne l'ai que pour un mois, mais je ne me lasserai pas de regarder le célèbre penseur et d'en faire profiter tous mes amis. Papa? T'es sûr qu'ils ne t'ont pas refilé un faux? C'est tellement étonnant. Un vieux collectionneur comme moi sait reconnaître un faux à 50 pas. Il se fait tard, monsieur Van der Brock. Hein? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas. Oh, mon fils avait raison, c'est un faux. Oh, je vais me trouver mal. Cette fois, tu es pris.
une force incroyable. Vous êtes blessé? Les mains en l'air. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, quel cauchemar! Oh, c'est lui, je reconnais ce robot. Il s'était caché dans la statue. Oh. Ah, toi aussi, maintenant? Non, j'y suis pour rien, monsieur l'inspecteur. Ça suffit, je t'arrête pour complicité de vol. Emmenez-le. Le Cérébrastro, qui avait été arrêté comme complice de Frankenstein, a finalement été relâché, faute de preuves. L'inspecteur Labrosse a cependant exigé qu'il soit rendu inopérant, comme tous les autres robots, pour éviter qu'un cas d'exception ne crée un précédent. Vous pouvez enlever ma batterie énergétique, professeur. Oh, Astro. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais je suis obligé. Frankenstein a pénétré dans le centre-ville. Il est absolument déchaîné. Nous conseillons à tous les habitants d'évacuer le quartier. Je répète, évacuer le quartier du centre-ville. Il faut faire quelque chose. Astro. Réveille-toi vite, Astro, je t'en supplie. Pourquoi m'avez-vous rebranché? Je suis heureux de réentendre ta voix. Pas tant que moi. Je te charge d'une mission. Il faut absolument que tu branches ce modulateur dans le corps de Frankenstein. Oh, oui, je me rappelle. Bon sang! Qu'est-ce qu'ils attendent, ces robots pompiers? C'est vous qui avez insisté auprès de l'état-major pour qu'ils soient débranchés. Et alors? Tout le monde peut se tromper? Dois-je comprendre qu'il faut les rebrancher? Transmettez mes nouvelles directives immédiatement! À nous deux! Oh, regardez! Vas-y, Astro! C'est le moment de brancher le modulateur. Rien de cassé, Frankenstein. Tu n'as pas agi tout seul dans cette histoire, n'est-ce pas? Il y avait des êtres humains derrière toi. Je savais bien, les robots ne sont pas conçus pour faire du mal. Et maintenant, tu vas me conduire auprès des malfaiteurs qui t'ont forcé à mal agir pour que les robots retrouvent la place qui leur est due. Chef a réussi à filer.
Nous vous livrons la bande à Sirius. Ils ont tout manigancé. J'espère que ça vous fera changer d'avis sur la réputation des robots. Mais nous n'avons jamais douté de leur intégrité, n'est-ce pas, inspecteur? Moi, j'espère que vous retiendrez cette leçon. Les robots n'étaient pas coupables des crimes que vous leur attribuiez. Il y a des imbéciles qui feraient bien de se regarder dans un miroir avant de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Mais très bien, Médée. Mais oublions cela. Toutes mes félicitations, Astro. Merci, professeur Caudrine. Je vais intervenir auprès de monsieur le maire pour que te soit décernée la médaille de la ville. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.